Mesdames et messieurs, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle session de Uncharted Lost Legacy. Alors, je me suis renseigné sur... Pas ça. Sur ça. Sur tous ces petits jetons qu'on avait commencé à récupérer. Je vais regarder comment récupérer ce qu'on n'avait pas récupéré, parce que je m'amuserais probablement à le faire de mon côté un jour, sans doute. Et encore. Mais bon, peut-être. Et par contre, j'ai regardé ce qu'on pouvait gagner à avoir tous ces jetons, donc avec la porte qui est marquée au nord-est de notre carte. Et il s'avère que c'est un objet qui est très très cohérent avec tout ça, avec le fait d'aller chercher des objets, etc. Parce que c'est un objet qui va surtout intéresser les gens qui cherchent les trésors. Donc tous les trésors que vous avez ici. Là. C'est un objet qui vous aide dans votre quête quant à la complétion de cette liste. Ce qui ne m'intéresse pas plus que ça. Donc, On danse, et c'est on toi va qui danser. cassé On va danser, au moins C'est quoi ça? sans vous avoir dit directement ce que c'est. Donc si vous avez envie de le découvrir par Là, ça vous-même, vous pouvez. Au moins vous C'est savez pas à vraiment ça. quel type de T'es joueur prête? est-ce que ça s'adresse? Ouais, j'ai juste besoin d'un moment. Un type de joueur qui est totalement cohérent avec le fait d'aller chercher des pièces, de compléter des choses, etc. Donc je pense que maintenant vous avez l'idée de si vous-même vous êtes intéressé ou non par la recherche de cet objet lors de votre propre playthrough du jeu. On a perdu un peu de temps à la recherche de ces jetons, mais au moins Bienvenue au centre on a d'Alébius. acquis cette connaissance. Le dernier emplacement connu de la défense de Ganesh. C'est magnifique. Quoi, Non. alors? T'as pas l'impression qu'il y a un genre de barrage entre les deux statues de Ganesh? L'eau a dû finir par l'emporter. Alors comment on entre? Attends. Ouais, la couronne. L'usure est pas naturelle. T'as raison. C'était peut-être une tour de guet. Les Perses ont dû entrer là. On m'a tellement rebattu les oreilles avec cet endroit. C'est le moment famille. J'arrive pas à croire que je le vois en vrai. Tu pourrais prendre une photo? Tu l'enverras à ton père. Bonne idée. Quoi? Avoue que tu connais rien à l'informatique. Prends une photo et tu lui montreras en personne. Non, c'est juste un peu trop tard pour le faire. Il est décédé. Oh non. 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 C'est rien. Ça va. Alors, on va visiter Alébidou? Allons visiter Alébidou. Merde. La grande bataille. It's a great battle. Difficile à croire que c'est réel. Imagine C'est tellement beau. Les artisans, les Les ingénieurs. décors sont magnifiques. Ouais. Les personnages sont très beaux aussi. Les animations sont sublimes. Incroyable. Leur roi aurait dû utiliser leur richesse pour protéger son peuple, pas créer une cible aussi alléchante. Ça sent la mort. Ah non. Ah, elle est passée par là. Il y a des marches pour descendre. Dis-moi ce qu'il en reste. Non! La fin du monde! La couronne? T'as apporté l'hélicoptère? Il est resté chez moi. Dommage. Alors va falloir grimper. Oh non, l'hélicoptère c'était bien. Est-ce qu'il y a un truc par là? Par là, on peut se balancer de l'autre côté. Où ça?
Ah oui. Okay. Je vais envoyer une grenade. Tout d'abord. Oh. Incroyable. Phénoménal. Et maintenant, on cherche un moyen de monter. On va trouver, on va trouver. Regarde là-bas. On aperçoit des structures juste en dessous des chutes d'eau. Photo. Photo enregistrée. Waouh. Vraiment bien. Voilà. Ah, heureusement qu'on a eu le... On est parti, alors. Le... Je sais pas comment ça s'appelle. J'ai oublié. Ok. Le fendeur de roche. J'ai loupé. J'ai failli mourir. Tout va bien. Ok. C'est encore plus impressionnant de près. Et on va s'approcher encore plus. Oh oui. Toutes vos excuses. Pardon, pardon. Bon, vraiment? Comment alors? Par là? Bien sûr. Aucun souci. Oh, le bruit constant de ces cascades. Ça fait un bruit blanc, ça te rend sourd au bout d'un moment. Allez, par là. C'est très agréable. T'arrêtes pas de me demander ça. Tu nous ferais gagner du temps si tu disais que ça va. Oh, merde. Oh, bordel. Au fait, okay. Je crains vraiment ici. J'ai vu. Tu penses pouvoir remonter? Oui. Ouais. Continue. Je te rattraperai. Ah. Ouh. Oh, Chloé. Incroyable, Chloé. C'est bon. Je te tiens. Ça va? Tu me tiens, tu me tiens. Laisse-moi juste t'aider. D'accord. Allez, monte. Demandez si gentiment. Attention qui compte. Père a dit que Ganesh était le destructeur des obstacles. Il en placera sur ta route s'il pense que ça te sera bénéfique. C'est pour ça que les Olsala l'ont choisi pour aller vidéo. Il est aussi le dieu de la bonne fortune. Celui que tu pries pour avoir prospérité et réussite. Je vois. C'est cool. C'est cool. Et maintenant... Ça, c'est de là d'où on vient. C'est de là d'où on vient. Ah, ici. Il n'y a vraiment pas d'autre moyen de traverser. Non. T'aimes pas le grappin? T'aimes pas la corde? Ça va, tu t'éclates? Et comment? Faut aller où? Faut aller là-bas? Aïe. Aïe. Ah, là-bas! Vraiment? Oh bon sang, non. Oh, je l'ai fait. Incroyable. Oh là là. Oh, petit saut. Marrant, non? C'est le truc le plus fou que j'ai jamais fait. Oh, j'ai les mains moites. Je te le dirai plus tard. Très bien. Go. C'est bon. C'est bon. La situation est sous contrôle. Tu te débrouilles comme un chef. Ah, attention, tu meurs. Ça ira mieux quand on sera sur la couronne.
Bizarre qu'on n'ait pas encore vu à ça. Je touche du bois. Ah, il est dans le coin. Il attendrait qu'on le voit ici. Pourquoi? Il n'a pas les tripes pour grimper aussi haut. Ça balance les dossiers. Ok. Par là. Très très bien, bien joué. Je vois un endroit où me balancer jusqu'à la couronne. Avançons encore un peu. Oh, non merde. Oh, oh merci, dépêche-toi de grimper. Je glisse. Merci. Ça passe. Oh là là. Oh, j'ai les mains plus que moites. J'ai pas d'équilibre et j'ai le vertige. Voilà, pour les gens qui ont besoin de l'explication. Faut aller où là? Je comprends pas. Non, elle veut pas. Ok. Elle veut pas aller tout en haut. Ah! Ah là, elle veut. Ah, petit souci. Oh, petit souci. Petit souci, ça arrive. Hello. Alors? Impressionnant. Ouais. Oh. Bon. Comment on descend de là? Oh, ça joue direct. Pour montrer à quel point les graphes sont ouf, quoi. On est en train de jouer, on a ça. C'est dingue. Mais non. Faut aller où? Je comprends pas. En vrai, j'ai peur. Je pense... Ah, il est là. Ok, ok. Aïe. Allez. Oh, yes. Oh. Oh, j'ai eu tellement peur. Solide ici. Je parle pas de malheur. Et là, tout s'effondre. Notre entrée avec l'aimable autorisation de l'armée perse. Merci beaucoup. Waouh, joli tir. Les Perses devaient avoir un trébuchet. Un trébuchet? Tu pourrais pas simplement dire catapulte, comme tout le monde? Un trébuchet est une sorte de catapulte. Il peut tirer des projectiles plus lourds, comme celui-ci, et les lancer plus loin. T'as appris ça pendant ta formation militaire? J'ai cherché sur Wikipédia. Comme tout le monde. D'accord. Pas de soucis. Prête? Après toi. Incroyable. Elle a maintien enfoncé. Ce sont nos vieux amis, Parashurama et Ganesh. Quand les dieux hindous ne combattent pas les démons, parfois ils se battent entre eux. Parce que pourquoi pas? Oh, j'imagine que c'est pas vraiment son style. Ah, là-bas. Ah,
ont vraiment sculpté cet endroit dans la montagne. Ouais, on dirait bien. Photo. Ah oui, bel angle. Hashtag no filter. Ah, marrant. Bien joué. Ouais, j'ai l'impression que les photos, c'est un peu des collectibles. Ils ont barricadé la porte. Quelque part. Pas servi à grand chose. J'imagine qu'ils ne s'attendaient pas à ce que les Perses débarquent par en haut. Après deux invasions, on aurait pu croire qu'ils s'étaient préparés à tout. Ou ils pensaient tout simplement qu'ils étaient invincibles. C'est vrai. C'est vrai que c'est fort probable. C'est en mode ouais. Les gens ont déjà essayé de nous envahir tellement de fois, ça a toujours échoué. Les nuls. Puis est venu le moment de la fin. Le moment de la fin. Ah oui. Ah non. Je pensais que c'était par là. Mince. J'étais pourtant persuadé. Ouais, ça ressemble à des trucs pour s'accrocher. Ah ! Un trésor ! Base de Huka Bidri. Et la porte, là, on peut rien faire. Apparemment, c'est un nom qui est opéré ici. Ça, faut que j'abandonne l'idée de m'agripper, c'est ça. Ok, c'est mort. Par où? Comment quitter cette salle? Comment faire? Oh, le petit trou. Par là. Le petit trou, je ne m'y attendais pas. Des armements. T'avais raison, Nadine. Ça m'arrive. Tout ça est fait. On dirait un mélange perse et Oïsala. Première ligne de défense. Voilà, là on avance. Hey, encore une autre de ces portes. Ah, c'est le faut trouver des trucs. Voyons ça. Ah, elle est un peu différente. Ah, super. Enfin, en fait, elle est pas du tout pareil. Et voilà. Le feu. Enfin, un peu de lumière. On se croirait dans une crypte. Complètement. Les cryptes et les funérailles, c'est pas vraiment un truc hindou. Ils préfèrent la crémation. C'est une belle cérémonie, anti-eshti. Un mot sanskrit qui signifie dernier sacrifice. Sacrifice ? L'idée, c'est que nos corps sont des véhicules qu'on emprunte et qu'on rend ensuite pour que d'autres en profitent. De bien beaux sentiments. Trop tard pour ces pauvres types. Hé, hey, là-haut. Hé, hey, là-haut. Oh. C'est quoi tout ça? Merde. Que de crâne. C'était ici, le dernier combat. Ça a pas suffi à sauver leur empire. Bon, puis pour eux, tant mieux pour nous. Ils se sont battus à mort. La guerre. J'avoue que les tas d'ossements, genre... Puis des tas comme ça. Des mecs qui se sont battus sur d'autres mecs, sur d'autres mecs, sur d'autres mecs. Voilà notre entrée. Combat sanglant sur des montagnes de cadavres. C'est terrible. Nadine, tu m'aides à déplacer notre ami? Bien sûr. Allez, mon petit vieux. Et voilà. Oh. Toi. Oh, le kick. Ça c'est Chloé ça. Des éléphants. On doit se rapprocher. Plus d'éléphants. Que ces types. C'est à ce moment-là qu'il faut faire gaffe à pas choper le tétanos. Toutes les armes qui doivent être rouillées, tout ça.